Comnav Technologies est l'un des fournisseurs clés des modules de haute précision et des récepteurs pour le système de navigation Peito. Ces produits finis ont été vendus à plus de 100 pays, dont les États-Unis. Le gouvernement américain a mis les produits de Comnav sur sa liste des droits de douane supplémentaires l'année dernière, mais l'entreprise déclare que l'impact a été limité. Concernant la guerre commerciale pour ce genre de produits, les droits de douane ont déjà été imposés au premier tour, mais nous ne faisons pas de grosses ventes ces temps-ci aux États-Unis, donc nous ne sommes pas très affectés. La Chine a commencé la construction de son système de navigation par satellite Peito à la fin des années 90. Les entreprises high-tech avaient pour habitude d'utiliser des composants importés. Les cartes OEM, par exemple, ne pouvaient être importées qu'au prix de 10 000 dollars pièce il y a 7 ans. Selon les chiffres officiels, 80 millions de puces ont été vendues pour des produits utilisant le système de navigation par satellite chinois Peito. Des puces au récepteur, des milliers d'entreprises ont fourni des produits et des solutions dans le secteur. Puisqu'un scientifique émérite dit que la technologie de base ne peut pas être achetée, il ne nous reste plus qu'à développer nos propres compétences et technologies clés. Je pense que c'est la leçon principale que l'on peut tirer du développement indépendant de Peido. Certaines entreprises technologiques chinoises pourraient avoir ressenti une inquiétude croissante liée à la guerre commerciale en cours entre les États-Unis et la Chine. Mais certains experts disent que là où il y a du danger, il peut y avoir aussi des opportunités. À court terme, une interdiction peut être restrictive, mais sur le long terme, elle peut aider à reconstruire une technologie et un modèle commercial. Grâce aux percées dans les technologies de base de ces entreprises et aux chaînes industrielles complètes, davantage de clients dans le monde bénéficieront des services fiables de positionnement et de navigation de Peito.